Katumbi akoya ka suki sasa ta. Ne tumba Félix e fongoi Katumbi nzela, Katumbi ki sasa yango to yele lo. Ko se pela elonga na ko ebisa kabila te toko zongi sa isi paso kwa yokite e ko za ma bebi so na ye. To pesi ye makambo bemi bale o to sa na ye. Ye moko apo. Moko ya liboso a zongi si matiki Congo e ke liboso na bana Congo. Congo e fuluka o kita na biso koma kita ya solo. Soki ya lingi wana te ya mi bale toko si la na ye. To waka na mi bale wana. Toko si la na ye. Aye baka yango te na 2015 aka bo kondi mo bimba ko kakate. Tango waka na leo elektorale na ye. Siko wana bo kondi ya ndambo ya tengu. Soko wa meki akoroka ya. Moïse Katumbi a participé à la consultation initiée par le chef de l'État, Bino Rosélani. Je suis allé à la consultation. Nayango ndebiso tokuba ko komema yango pona ko panza yango ko ngomba ko bala ko ngonyo so bala tango na nzoto to salele apparemment la mouka est déjà assurée statut Jean-Pierre Bemba va participer à consultation sans les autres leaders bien que consultation ngai na sina ebisa ibi bandaka na baki la mouka esenge basa yango restructuration bo tout na mutuna ona sina pesa ki bino ya na ba la mouka ko senga restructuration so la mouka to se restructuration to okenaliwa ya baba. Il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot qui est un ali ennemi ali adversaire ali 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 parler tant on a tout fait le mot qui est un mot qui est un mot qui est sika lingomba na lingomba est na consultation qui est un mot qui est un mot qui est un mot qui un mot qui est 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 et bon, auto vanda, tout en mécanisme. Il faut de nouveaux objectifs. Tout ça, mais bon, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Ce qui est ma consultation, c'est que je vais vendre dans la caille de chai. Ce qui est la mouque qui est dans 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 la mouque qui est. Est-ce qu'on peut faire la tête à Zaliso à Temeli Kabila? Et après, il y a tout mal. Ma bende, quand il y a une consultation, il y a un peu de bango, et pas il peut y aller dans le commissaire, il y a un peu de bango, il y a un peu de bango, il y a un peu de Kabila. Et la tête, l'obi, tout le monde a ma soeur, même comme le balokate, tete, il y a un peu de bango. Alors, le programme a Moïse Katumbi des années après l'aéroport, on va tourner de là, du coup, c'est après. Ce jour, on va bandit tête, on va dire quoi, on va aller là. Somo konja ko bakwe bisa bino beta ke consultation si legal. Lelo ko bate akendolo be pa moninga na yo ekota. Nda akendolo makambo ana. Na banza te tanga ko bimande kuna. Wa ande bogoya akwe bisa bino lelo ko nyu ayela ki baso ina ndeko nae andenge. Lelo ko lelo ya to tia ima boko to bisa yambia uti musika po ya ko kuta na nande ko nae po na ko bikisa Congo. Yali ka maloku mutu za ko lelo banda kala. Lelo salami elonga yali na Congo. Bana kisasa ba kongomani ba kimia. Toko longa kabato abo kabila kamando banda to banda ko bete bi botu to bete kama na maboko apamba to bete kama mando kite toko bete kai ola kisa biso tumba kenda kisa biso to bunda kama maboko pole ali awa alani na lita awa na ntel etien tisekedi na maboko pole ndeto kama kande to bete kabila pa bi botu makasi ah moka to azu awa to bete kiango na masasi o ya ronsa malonde o ya bazuzi ya ku konsisyon toko bete kai bi botu akopoya sokwa yoki yango te akopoya. Biso to monter malam moi a se biso ma be mi bou na mi bouto tiki ya kimia a ko moi biso ko abasi moko le ko ya o ya sukuma a ko ke pa oketa.
on a trahi personne, on est tous ensemble. On a trahi personne. Robazolo, on a trahi les alliés infirmiers à langage, manque à vocabulaire. Nous n'avons trahi personne, ni Katumbi, ni Mbemba, ni Fayulu, ni Moussou, tu retrahis le peuple. Tu trahis le peuple. Robazolo, on va trahir là, il faut relancer là-bas, madame. On aura Batiti, il y a moins un bon camarade Fayulu par rapport à mon présence de Ayoko Lobani. Botika Fayulu, c'est le président élu. C'est l'aigle, il est là. Aza président élu. Donc, président Sné a été salé l'autre. Aza président élu. Oh, Bissonio, c'est un salabitou, mais tu as un changement. Changement, tu as un changement. Il y a un mot, tu as un mot. Tout est à la bonne bonne, tu reçois un changement dans Mboka. Tout est un changement. Changement selon Mboka. Tout est un ambition, tout est un ambition. Oui, comment nous sommes là, on va bimisara ba député, ba bimisara ba président, ba bimisara nyons. Si les Congolais, nous nous mettons pas ensemble pour faire face à l'ironie du sort et à Seni, tu reçois nos alarmes. Nyons, nous sommes là, pour la maponne, mais pour les salamaki malam. Il y a encore Félix Tshisekedi. Misoa Zanango, ame ma vision ma ponami à solo, on a des salamans à côté. Parce que aussi longtemps que nous avons la forme ma ponami, nous avons la Likamba Congo. Likamba Congo est la crise de légitimité. Mais ceux qui ont la ponami à Malam, nous avons la crise de légitimité. Mais Likamba Soa Motu et Sengeli Bokanga, Congo va punzango, va punzayango, les anaralis soutés. Et comment état autorité morale, maman retourne à la question piège. De Kabila dit, j'ai pendant 10 ans, faux journaliste. Moi je ça ma bête, vous êtes n'entendez pas nani. Vous êtes juré ça ma bête. Vous êtes juré ça ma bête, t'as la sous-classe malade. On aura bien la terre classe bien, yo t'aime tout le temps. L'arrivée de Moïse Katumbi pour participer aux consultations. En gros, ça signifie que Moïse Katumbi a décidé, comme il l'a toujours fait, d'être partout où l'appel, l'intérêt de notre population. Aujourd'hui, le pays est presque à l'arrêt, la crise est totale, la crise économique, la crise sociale, l'insécurité est partout. Et le président de la République a tendu la main à toute la classe politique et aux opérateurs sociaux pour pouvoir voir comment rebâtir, faire repartir, relancer le pays et sortir finalement la population de cette misère. Donc je pense que Moïse Katumbi est là pour ça et il en profitera également pour venir remercier la population qui l'a soutenu pendant son exil forcé. Et je crois que bon, les Kinois méritent quand même qu'ils viennent les saluer. Il participera à l'Union sacrée et la Mouka restera toujours cette famille aussi compacte. Et jusque-là, on n'a pas dit qu'il participera ou non à l'Union sacrée. Le président de la République a demandé de consulter la classe politique. Nous, Moïse Katumbi, avec ensemble, nous allons dire ce que nous pensons de l'avenir, de ce qu'il faut faire. Et le président en tirera les conséquences. Si il tire les conséquences qui sont dans le bon sens pour nous et qui épousent notre point de vue, bien entendu, on pourra envisager de l'accompagner. Mais s'il prend un autre chemin, il est évident qu'on ne va pas le suivre. Donc, pour nous, il n'est pas... Il est prématuré de dire qu'on participe ou pas à cette finance. Moi, je serai reçu. Quel devient la Mouka dans tout ça? La Mouka est là, et la Mouka est bel et bien là. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez, vous voyez d'ailleurs que Jean-Pierre Bemba a demandé à tous ses partisans, au MLC, d'adresser un grand accueil à Moïse Katumbi. La secrétaire générale du MLC, Fasika, est ici. Des délégués de l'ECID du président Martin Fayulu également. Ça veut dire que la Mouka est une famille. Dans une famille, il peut y avoir des tonalités différentes, vous le savez bien. Donc, mais nous sommes avant tout une famille, nous sommes avant tout dans l'opposition, mais Moïse Katumbi conduit une opposition républicaine, démocratique et exigeante, comme je l'ai dit. Et une famille dont les divergences sont profondes. Non, pourquoi les divergences seraient-elles profondes? Nous avons ensemble cheminé... Martin Fayulu n'est pas partant de consultation, n'est pas partant pour rencontrer le président de la République. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont partants, c'est-à-dire que vous n'évoluez pas non, sur la même longueur d'onde. Chacun mène son opposition suivant ses valeurs. La valeur suprême nous a réunis lors des élections. Nous continuons à cheminer, mais chacun a une certaine liberté. La Mouka, ce n'est pas le Stalini.
on n'est pas enfermé dans un carcan. Chacun a sa sensibilité. Moïse Katumbi a la sienne, Martin Fayoulou également, Jean-Pierre Bemba. Donc nous sommes avant tout une famille, mais dans une famille, vous le savez, entre frères et sœurs, on peut avoir des caractères et des sensibilités différentes. Mais le fait que Moïse Katumbi revienne participer aux consultations et peut-être à l'Union sacrée telle que voulue par le président de la République ne fera pas des remous au sein de la Mouka. Moïse Katumbi ne vient pas chercher des postes, il ne vient pas chercher des fonctions. Il en avait des très éminentes de fonctions, ainsi que ses amis politiques. Moïse Katumbi vient simplement parce qu'on lui a demandé quels étaient les problèmes du pays, de pouvoir les adresser. Et donc, dès lors que le président de la République veut connaître l'opinion de tout le monde, il appartient, y compris à l'opposition, de donner son opposition, son opinion, et c'est ce que vient faire Moïse Katumbi aujourd'hui. À chaque fois que le président Moïse Katumbi, même bien avant ça, venait à Kinshasa, j'étais parmi les rares à être là. Donc, mais à cet instant présent, c'est la démocratie qui est en train de prendre un grand coup de l'avant. Parce que n'oublions jamais que c'est Moïse Katumbi qui est venu pour redynamiser l'opposition. Souvenez-vous de trois pénaltys. C'est de là que nous avons eu un essor assez positif jusqu'à ce jour. Il est le président de l'Assemblée. Je suis un des cofondateurs. Il est le président de la plateforme, autorité morale de la plateforme AMK, dont mon parti, la MPC, s'y retrouve, avec des députés provinciaux et nationaux. Cela a été de mon droit d'être là tant que combattant de la liberté, de la démocratie, de la résistance et des droits de l'homme. Et il faudrait d'ailleurs le soutenir, la façon dont il est arrivé. Je tiens à rendre hommage au président Jean-Pierre Bemba de cet appel patriotique que le MLC puisse venir accueillir son frère, le président de l'Assemblée, Moïse Katumbi. Ça voulait dire quoi? Le président de la République est arrivé à un moment là où il se rend compte qu'il n'y a plus de boussole. Ou bien il continue en marginalisant son peuple, ou il finge carrément un frein en regardant de côté, en regardant tout le monde. Venez, nous allons parler pour qu'au moins nous puissions décider par rapport à notre pays. Ça s'est toujours passé depuis 53 à Kisantou et jusqu'au dernier ici à la Senko. Alors les uns et les autres qui disent aujourd'hui que ça ne le regarde pas, moi je leur donne raison parce que moi-même je suis un démocrate. Toutes les Congolaises et tous les Congolais ne s'y retrouvent jamais dans des forums. Il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont blessés, il y a d'autres qu'on ne voit plus. Il y a d'autres qui refusent comme nous on refusait à l'époque. Donc pour moi, le chef de l'État doit aller jusqu'au bout, maintenant à travers les hommes et les femmes des convictions pour aller dans ce pays. Le président de la République n'a de droit que et de devoir sur une seule institution qui s'appelle le peuple congolais. Le reste, c'est là, nous savons tous comment beaucoup de députés sont arrivés là-bas, comment on a mis leur signature au bureau de Néhémie. Nous connaissons tous. C'est pour cela, pour nous, il n'y a même pas question de babifioler. C'est ce que le président de la République puisse aller de l'avant à ses consultations. Et si il y aura un nouveau paysage qui sera au bénéfice de la population, le président de la République doit le faire. Comme vous le savez, Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Il y a qui aime beaucoup les Congos. Et il viendra justement parce qu'il y a un problème. Les Congos est en jeu, la République est en danger. Il vient apporter sa contribution pour l'éclosion, pour l'intérêt du peuple congolais. Il s'agit ici de l'intérêt du peuple congolais. Et lorsque l'intérêt du peuple congolais est en danger, tous les nationalistes, les patriotes doivent se mettre ensemble pour chercher des solutions. Voilà pourquoi Moïse Katumbi, tout le monde connaît bien l'amour que Moïse Katumbi a pour ce pays. Donc il y a probabilité d'adhérer dans l'Union sacrée avec un cas d'échange. C'est une probabilité, vous venez bien de le dire. Honorable Moïse Katumbi. Parce que ça va dans l'intérêt, tout ce qui va dans l'intérêt non, nous sommes là, on parle, du peuple congolais. Donc je crois que Moïse Katumbi adhère. Et nous, ensemble pour le changement, ensemble pour la République, nous soutenons l'appel au chef de l'État, parce que nous avons toujours voulu les dialogues. Il n'y a pas de démocratie sans dialogue, il n'y a pas de démocratie et sans que les gens se parlent. Donc c'est une façon
de régler nos problèmes à l'africaine aussi, même dans nos villages, lorsqu'il y a des problèmes, les gens se mettent ensemble pour trouver des solutions. Et il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a des sens, des consistances et des substances lorsqu'on œuvre pour l'intérêt général. Ici, l'intérêt général du peuple est en danger et nous devons nous mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Président et ensemble pour Moïse Katumbi. Azokoma na mingonga moke awa présence na yo awa ekoki ko talisa bande ko bakolanda nini pona boye ya nkonzi boye ya Moïse Katumbi ezali po bien aimé dans le Seigneur. Enfin, le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, Raina Yebina Kolonga. Plus précisément, dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatou Nyonso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur. Malgré les épreuves dans ma vie, Raina Yebina Kolonga.